Selon nos informations, 3 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en Haute-Corse, même si la grande majorité des prélèvements effectués hier, plus d'une vingtaine, se sont finalement révélés négatifs. Pas de bilan ce matin du côté de la Corse du Sud. L'Agence régionale de santé ne souhaite pas communiquer sur les chiffres pour l'instant afin de laisser travailler les équipes sur le terrain. Mais toujours selon nos informations, plusieurs nouveaux cas ont été confirmés. Aujourd'hui, le virus est présent sur l'île, mais l'objectif c'est de ralentir la propagation de l'épidémie en multipliant les prélèvements sur les cas suspects. Les personnes présentant des signes de la maladie doivent donc se signaler au SAMU sans céder à la panique. On appelle le SAMU quand on pense qu'on est malade. En revanche, si c'est pour avoir des renseignements sur le coronavirus, il faut contacter le numéro vert. L'objectif, c'est bien sûr d'éviter d'engorger les lignes du SAMU parce que le nombre d'appels augmente quand même. Mais c'est aussi parce que nous, notre principale mission, c'est de nous concentrer sur les gens malades. Les cas suspects identifiés par le SAMU sont désormais confinés chez eux dans l'attente des résultats. Les procédures s'adaptent en fonction de la situation, elle-même très évolutive.